Salut Fosinode, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un big haul, mais c'est le cas de le dire. Big haul Vinted, mes petites trouvailles, et ce mois-ci c'est pour Thibaut. Donc, on est parti. J'ai acheté sur trois comptes différents des choses qui lui manquaient, qui devenaient trop petits. Donc, au moins, on est en prévision, pas à la dernière minute devoir courir. Donc, voilà. Donc là, pour mon premier achat, sur le premier compte, je vais vous montrer, c'est des t-shirts. Donc, un t-shirt comme ça, blanc, avec une tête. Alors, si vous savez qui c'est, en commentaire, n'hésitez pas, car, bon, si c'est un footballeur, on n'est pas calé. Et si c'est personne, bah c'est personne, quoi. Voilà, donc, voilà le premier t-shirt. Je vous remonte le visage. Voilà. Deuxième t-shirt. Ça fait un peu graffiti. Couleur marron clair. Et la marque Citadel. Donc voilà. Avec un beau graffiti sur le côté. La tête Corsica. Donc ça, c'est le deuxième. On va compter ensemble combien on a eu de t-shirts. Troisième t-shirt de chez Kiabi. Voilà, donc gris moucheté, on va dire. Donc Thibaut adore, il m'a dit c'est mes préférés, avec une petite poche sur le côté, donc nickel. Donc troisième t-shirt, le quatrième, on est sur la marque Livergy. Donc ça, c'est un t-shirt marinière avec une petite pochette, mais la qualité elle est géniale. Elle est douce. Si vous pourriez toucher, c'est incroyable. Donc voilà, nickel, pas une tache. Donc là, c'est votre quatrième t-shirt. Le cinquième. Pareil, marque Liverdi. Donc gris. Tout gris. Gris souris. Gris clair. Avec trois bandes noires, gris, rose, vert. Et bleu, donc plutôt pastel. Voilà. Ensuite, donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième, bon, lui va être grand. On le mettra de côté. Bayside. T-shirt anglais avec une voiture ancienne. Donc voilà. C'est noir. Et puis franchement, il est trop beau. On voit qu'il n'a même pas été porté. Route 66. Homme à faute 66. Donc, à force de vous parler, je ne sais jamais combien il me reste de t-shirts. 6, 7. De chez Kiabi. Un t-shirt jaune moutarde. Bon, c'est jaune moutarde plutôt. Avec une petite tête de mort là. Entourée de fleurs. Et quand vous retournez le t-shirt, vous avez le même en plus grand. Dans le dos. Donc, septième. Pour le huitième, de la marque Kiabi aussi. Noir. Game over. Allez, jeux vidéo. Là, c'est vraiment la game over. Donc, c'était le huitième. Neuvième. Ben, là, vraiment, c'est tout. Liverdi, la marque. Voilà. Un t-shirt blanc avec une petite poche. Un Knowé d'Aditi. Voilà. Donc, huitième. Le neuvième, c'est avec des bus. Des bus londoniens de la marque UKJ Grove. Voilà. J. Crown, plutôt. Voilà, donc un jaune, enfin un blanc, un rouge, un bleu, aux couleurs du drapeau anglais. Neuvième t-shirt. Alors, en plus, j'adore ça, l'Angleterre, tous les vintage. Donc, jusque-là, j'étais heureuse. Donc, le dixième t-shirt. Un t-shirt noir. Cost. La marque, c'est Liverdi aussi. Voilà. Avec le paysage, on voit bien ce paysage new-yorkais,
Même pas, c'est Staten Island. Ouais, ça fait pareil, c'était tout des buildings. Liberty, tout noir. Voilà. Vous voyez, il n'y a même pas un accro, même pas un petit trou, que dalle. Donc là, on est au 10, 11, 12, 12e, 13e là maintenant. Pareil, ah oui, vous avez aussi le petit Etirel, la marque, qui est marquée. Voilà, vous avez la petite étiquette en bas du t-shirt. Ça, c'est bon. Moi, je dis jaune. Et les garçons me disent vert, donc vos commentaires. Vous tenez team girl ou team boy? Girl, jaune. Boy, vert. Donc le 14e t-shirt, ça vient de Liverty aussi. Bleu, blanc, rouge. Réplique d'une marque connue, mais pas de cette marque. Donc on a dit 14, là le 15. Le 15, tout le monde connaît. C'est notre chauve-souris légendaire. Pareil, si tu connais, n'hésite pas à commenter. On verra qui a la culture du DC Comics. 17e t-shirt. Vous voyez, c'est qu'il y en a un. Donc là, c'est plus dans les tons marron, gris, ouais. Pff, plutôt gris même. Mais voyez, avec des formes géométriques. De la marque Liverty, mais punaise, c'est un abonnement là. Voilà. Super, franchement, la qualité des t-shirts, rien à dire. Donc on est au 18e. 19e. Marque Citadel. T-shirt Corsica. Voilà. Bon, celui-là, j'aime moins. Je vais peut-être le garder comme pyjama. Ça doit être un t-shirt acheté en vacances. Bon, c'est toujours gentil d'être mis. Hein. Donc, 19, j'ai dit. 20e t-shirt. Pareil qui a bimoucheté comme tout à l'heure. Mais pas le même. Vous voyez, il est plus foncé celui-ci. Avec la petite poche aussi là. Ici. Et franchement, impeccable. Donc, on a 20 t-shirts. Maintenant, on a des chemises, enfin une chemise de la marque Straight Up. Couleur kaki plutôt, voilà, vert kaki. Chemisette pour cet été. Thibaut m'a dit ouais, illico pour aller à la mer. Avec petite pochette. Donc voilà. Donc 20 t-shirts, une chemise et maintenant des polos. Alors les polos de la marque, je vais vous dire toujours pareil parce que désolé, hein, Liverty aussi. Voilà. Pour cet été avec des petits palmiers, gris, rayures, bleu et bleu turquoise un peu. Regardez. Voilà. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc un deuxième polo. C'est polo des Yankees. Harry Lenders original. New York. Voilà. Impec. Donc deux. Troisième polo. Liverty. Gris avec du feuillage. Le col, c'est noir ou bleu marine? Attendez, noir. Avec les bas de manche aussi, liseré noir. 4. Et le cinquième et dernier, c'est un Liverty comme ça. Blanc. Vous voyez, c'est comme dans les chemises des messieurs. Le col bleu marine rayé blanc et les bas de manche
le marine rayé blanc. Donc en tout, ça nous fait 5 polos, une chemisette, 20 t-shirts, et la madame, très gentille, m'a offert cette petite veste. Do not walk cargo. Donc la veste cargo. Donc vous voyez ici, devant, c'est façon matelassée, avec une petite poche à pression. Et les manches en façon suite ou pull, quoi. Voilà, et les voilà derrière. Avec les petites attaches à pression sur les côtés. Voilà. Donc, pour tout ça, sur le même compte, ça m'est revenu à 15 euros. 15 euros, que demande le peuple? J'aurais même payé au moins le prix-là pour sa veste en cadeau. Donc, bonne affaire. Et le plus important, c'est que le petit, bah, il soit content. Parce que lui, dès qu'il perçoit des vêtements, c'est le bonheur. Santé les amis, un petit coup à boire parce que ça, ça sèche. Je vous parle beaucoup. Voilà, petit café. Maintenant, sur le deuxième compte. Deuxième compte, je lui ai trouvé les Bermudas pour cet été. Donc, un Bermuda armé gris, avec les grosses poches sur le côté. Il m'a déjà dit qu'il va faire la guerre dans le jardin. Donc voilà. De la marque Qui Habille. Avec, en plus, c'est bien, il y a les petits boutons avec les élastiques pour resserrer. Donc ça sera nickel. Parce que bon, quand je l'ai vu, j'avoue, je me suis dit, c'est un peu grand, mais bon, ça ira. Le même en kaki et marron. Avec les poches aussi. Poche normale. Les poches à scratch. Voilà. De chez Qui Habille également. Pareil, resserrable à la taille. Et un autre qui est plutôt en jean kaki. Grosse poche à boutons. La poche au-dessus à fermeture. Voilà. Les poches ici. Des poches là. En gros, le gamin, il va s'y remplir ses poches, il marche plus tellement il va être lourd. Donc, tout à bouton aussi. Et on le voit qu'il n'a même pas été mis, c'est marqué habillé également, confort fit. Voilà. Donc, trois Bermuda. Et je lui avais acheté un lot d'habits Harry Potter, il fut à temps. Et en fin de compte, je me suis un peu trompée parce que j'avais pas vu que c'était fille et je me suis retrouvée avec, au lieu des suites normales, j'ai eu des crop top. Donc, je lui ai trouvé en même temps le suite Harry Potter. Donc, qui lui va nickel. À capuche. Bon, bien sûr, va falloir remettre. Vraiment, c'est vraiment Harry Potter, hein. Wizard World, le monde des sorciers, et pas une tâche que dalle, donc il est fin heureux. Donc pour ça, j'en ai eu pour 9 euros. Voilà, 9 euros pour 4 articles, mais dont le suite et les trois Bermudas, je trouve que ça va, c'est raisonnable. Encore un petit coup à boire. Voilà, on va aller chez dans le dernier colis. Bon, j'avais tout ouvert avant pour être sûr, pour pouvoir valider que les gens soient payés aussi et tout. Donc là, ben, vous imaginez bien que au niveau des évaluations, ils ont eu toutes les étoiles. Parce que franchement, il n'y a rien à dire. Donc, je vais vous fermer pour mieux voir. Donc, chez la dernière personne, ce qui m'a plu, c'était les vestes en général. Voilà, donc il y a une veste. Alors, Marina Action. Alors là, c'est vraiment comme les pêcheurs marins. Jaune.
Avec les grandes poches. Alors, je ne dis pas, on est allé au magasin, celui-là, il l'avait mis par contre. Et bien doublé. C'était la tempête. Bah, vous inquiétez pas, il n'y a pas eu froid. Hein. Les grandes poches aussi pour bien ranger ses affaires. La capuche qui est amovible. Donc, mais bon, vaut mieux la laisser. On habite dans le Nord, on n'oublie pas. Voilà. Le petit écusson de Marina qui est également sur la capuche. Donc il y a cette veste super épaisse, d'ailleurs elle est super lourde. Ensuite, celle-ci qui est trop grande, mais c'était prévu pour le prochain hiver. Hein. Et puis sinon, ça sera pour encore le prochain, tant pis, ça sera là. Parce qu'en fin de compte, en achetant tous les articles, j'avais une réduction de 50%. Et il manquait un objet, donc j'ai pris quand même cette veste. Sinon, sans la veste, que ça me faisait beaucoup plus cher. Donc là, c'est un 3/4. Vous voyez, je suis tellement petite. Je suis en train de mettre les mains au plafond. Grande poche. Là aussi. Petit col façon suite. Voilà. Les bas de manche. Voilà. Scratch. Pour les faire plus courtes, si même on veut. Ça, par contre, c'est pas mal quand on a des petits bras. Ça évite d'avoir des trucs trop grands. Là derrière, pareil, est super épais, je vous jure, c'est lourd. Je vous montre ça, je suis en train de transpirer. Regardez, matelas à l'intérieur. Donc, c'est la deuxième veste. Ensuite, hop, j'ai trouvé ce beau pull gris, blanc. Bah avec, ouais, dans les tons gris et blanc avec un écriteau. Marque EO plus R Cool by CEA. Bah c'est d'ailleurs voilà, chez CEA. Le pull, franchement, il n'a jamais été porté, c'est sûr et certain. On le sent direct au toucher que c'est encore le truc des magasins, là. La matière encore avec l'après. Voilà. Et l'arrière, tout pareil, rayé. Voilà. Donc un nouveau pull en plus. Puis j'ai vu aussi ce jean de chez Gémeaux. Bah Gémeaux. Je vous mets bien les choses pour mieux voir. Bon bah là, à part en longueur, va falloir que je lui fasse un point, bien sûr. Bon, le jean, comme vous voyez, il est nickel. Deux poches derrière, les petites poches devant. Vous voyez que les genoux, il n'y a rien. Pas un enfant qui s'est traîné à terre ou quoi que ce soit. Hein. Donc, j'en suis vraiment contente. Voilà. Et la dernière chose, pour le printemps-été, une veste en jean. Voilà. Veste en jean. Petit mec. Avec les poches, boutons, gling-gling-gling. Au moins, on ne le perdra pas. Hein. Voilà. Et puis à l'arrière, avec les petites attaches comme les grands, c'est trop mimi. Donc voilà. Et c'est la marque qui habille côté garçon. Voilà. Donc pour tout ça, donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 4 vestes, un pull, un jean. 4 vestes, un pull, un jean. Oui. Ça m'est revenu à 13 euros. Donc, 13 euros le dernier lot, 9 euros celui avec les Bermudas, et celui blindé de t-shirt et polo, 15 euros. Ce qui fait que pour, on va dire avec les frais de port, 48 euros, bah le petit il est rhabillé, voilà. Donc j'en suis contente, les emballages étaient nickel, les gens ont fait vraiment ça, franchement super. Donc voilà, c'était mon achat du mois sur Vinted. Le mois prochain, bah, ça sera pour quelqu'un d'autre. Sans doute, ce sera Ninon qui passera. On va revoir les placards et puis ceux qui ont besoin, bah, voilà. Donc, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!
N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu si ça te plaît, et à très bientôt!